Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où, effectivement, vous aviez fait des pronostics, je crois, et vous aviez dit, Marie, on est sûr que tu retourneras faire les soldes. Ben, il fallait que je vous écoute. Alors, qu'est-ce que j'ai été faire? Les soldes! Donc, j'ai été round tout faire les soldes. Je vous avais dit que à chaque fois ça vaut le coup quand je vais chez H&M à Barjouville, je trouve toujours des pièces mais vraiment pas chères. Et du coup bah voilà, j'y suis retournée hier. Aujourd'hui on est samedi, vous verrez cette vidéo mercredi. Et je me suis pris quelques petites affaires, donc je suis retournée chez H&M et chez Toscane. Donc je vais vous montrer tout ça et en même temps, vu que ça fait longtemps Far Far Away, je vais vous faire des try-on, des essayages sur mon body tout svelte et musclé, voilà, voilà. Je sais que vous adorez ça, de voir de la grande taille, donc je vais vous montrer, c'est parti. Avant de commencer, si vous vous demandez ce que j'ai sur les lèvres, j'ai reçu de nouveau de la part de Sephora un rouge velouté brillant. Je lis en même temps, c'est écrit. La dernière fois, j'avais reçu un dans les tons un peu corail pêche. Et là, ils m'ont proposé de m'en renvoyer un autre. Donc, c'est la teinte numéro 17. Voilà, donc ça se présente comme ça. Il est vraiment très très bien. J'ai adoré. Moi, d'habitude, je prends toujours ceux qui sont les liquides mat. Et là, les liquides mat ont le bouchon noir, et ceux-là ils ont le bouchon argenté comme ça. Donc ce ne sont pas des sans transfert, ce ne sont pas des mats, c'est tout simplement un shine mais qui a une tenue du feu de Dieu. Donc quand j'ai vu qu'ils pouvaient m'en redonner un, j'ai dit popa s'il vous plaît, et puis voilà. Donc je les remercie beaucoup pour m'avoir envoyé cette nouvelle couleur qui, ma foi, me va plutôt bien. La meuf qui se lance des fleurs, mais en même temps, si on le fait pas, qui c'est qui va le faire pour nous, hein? Je vais le poser. Faut que je fasse cet après-midi, je me suis acheté des étagères pour mettre derrière là, donc faut que je fasse ça, si j'ai la foi, voilà. Je vais commencer, je vais peut-être me décaler comme d'habitude, parce que je vous mettrai tous les essais. Je vais commencer par Toscane. En fait, chez Toscane, j'ai acheté deux pièces. Je vais toujours chez Toscane parce que Toscane, c'est un magasin qui fait de la grande taille, c'est une filière de Armentieri, il me semble. C'est même pas il me semble, c'est sûr. Et en fait, ce que j'adore chez Toscane, c'est qu'ils font vraiment de la grande taille et c'est vraiment adapté aux formes de la femme forte. Donc du coup, vous pouvez trouver vraiment votre bonheur, peu importe votre morpho. Et moi, à chaque fois que j'y vais, alors c'est cher, on va pas se mentir, mais à chaque fois que j'y vais, c'est pendant les soldes. Enfin, j'y vais hors solde aussi, hein, je vais pas vous mentir, mais pendant les soldes, j'adore m'acheter un jean, un pantalon, tout simplement parce que je sais que je vais être top confort. Je me suis acheté ce jean qui passait à moins 50%. C'était la dernière des marques. Au début, il était à moins 30, après à moins 40, et là, ils l'ont passé à moins 50. Donc voilà, là, les poches, vous avez des espèces d'étoiles. Et puis, sur les poches derrière, vous retrouvez aussi une petite étoile. Il est vraiment top. C'est pas du tout un pantalon, comme vous pouvez le voir, qui est taille basse. Il est super au niveau de la matière parce qu'il est hyper stretch, hyper extensible. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous êtes grande, ça vous fera pas les feux de plancher là, ça vous fera pas un 7/8. Ils sont vraiment adaptés, donc que vous soyez grande et tout, c'est ça qui est vraiment top. Alors j'ai enlevé l'étiquette de dessus, mais du coup il m'est revenu à 34,97 au lieu de 59 voire 69 euros je crois. Ah ouais, il était à 70 balles quoi. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment cher. On va pas se mentir, mais au niveau de la qualité, vous trouverez pas mieux, honnêtement. Et moi j'adore, du coup j'ai engrainé ma soeur, je l'ai amenée avec moi. Et je lui ai dit, mais essaye les pantalons là-bas, tu verras, c'est une tuerie. Les pantalons qu'on achète chez MS Mode ou Akiabi, c'est des petits rigolos à côté. Là, vous êtes vraiment dans une qualité qui est... voilà, et puis du coup, moi ce que j'aime chez eux, c'est que bah, je fais une taille 3. Ça compte, ça compte. Donc voilà, je suis trop contente pour mon petit pantalon. Je sais qu'il va me durer un petit bout de temps. Je sais que je vais être total confort dedans. Et voilà, c'est adapté à ma morpho. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Ensuite, vu que c'était les fins de solde, ils avaient plus grand chose. Moi d'habitude, j'achète énormément de chemisiers chez eux. Et là, je vous avouerai qu'il n'y avait plus de chemisier. Par contre, ils avaient sorti la nouvelle co. Et j'ai craqué en taille 1, s'il te plaît. J'ai craqué pour cette superbe veste.
en espèce de pot comme ça. Et c'est la couleur qui m'a fait craquer. J'avais déjà acheté l'année dernière le modèle moutarde. Et je l'adore. Alors après, vous allez me dire, mais Marie, pour moins cher, parce qu'elle vaut quand même 89,95 €. Vous allez me dire, Marie, pour moins cher, tu trouves ce genre de veste à la halle, etc., etc. C'est pas du tout la même matière. Moi, j'ai acheté la dernière fois la veste kaki en peau comme ça à la halle. Et ça n'a rien à voir. Après, elle est tout aussi belle, etc. Mais j'ai la moutarde et j'ai la kaki de Kiabi. Pas de la halle, Kiabi, n'importe quoi. J'ai le kaki de Kiabi et j'ai la moutarde de chez Toscane. Et je vois la différence. Et du coup, bah, j'ai repris comme ça en espèce de je sais pas, couleur brique. Comme ça, j'adore. Et je sens que elle et moi, on va faire un bon bout de chemin ensemble. On va se kiffer. Alors par contre, c'est vraiment pas du cuir. C'est ça que je trouve dommage vu que on paye assez cher quand même. C'est 93% de polyester et 7% d'élastane. C'est pas du tout du cuir et tout. Donc voilà. Par contre, on peut la mettre en machine à l'envers. Mais voilà, les finitions sont super. Je regrette pas du tout mon achat. Au contraire. Bon, de toute façon, ça, je l'aurais pas trouvé en solde. C'était sûr. Et c'est fini pour Toscane, parce que j'en ai quand même eu pour 124 balles, hein. On va partir cette fois-ci chez H&M. Et chez H&M, j'ai trouvé des petites choses, dont une qui est pas soldée, hein. On va déjà commencer par les étoles. Moi, vous savez que j'ai une passion écharpe. Voilà, j'adore mettre toujours une étole sur moi et tout ça. Donc j'ai trouvé celle-ci qui est assez grande. Voilà, j'adore les couleurs. Ma soeur déteste. Alors que pêche comme ça et mauve, je trouvais ça juste super beau. À la base, elle était à 12,99 € et elle est passée à 3,99 €. Donc à ce prix-là, j'ai dit oui, je vais prendre, je vais prendre. Voilà, je suis contente. Mais c'est vrai que j'ai toujours des étoles dans ces tons-là. Il faudrait que je change un petit peu de registre, hein. J'aimerais bien me trouver une étole un peu noire. Non, j'ai déjà des noires et grises. Un peu rouge, un peu, je sais pas. Ou peut-être une grise et blanche. Ou une grise bleu ciel, je sais pas. Enfin bref. Et j'ai trouvé celle-ci qui est encore plus grosse. C'est la couleur qui m'a fait craquer, vraiment. Et alors celle-ci, elle était à 14,99 € et elle passait à moins 40%, mais je crois qu'elle est passée encore moins chère à la caisse. Mais j'ai pas le ticket de caisse, c'est ma mère qui l'a en fait. Donc je peux pas vous dire et puis c'est pas écrit sur l'étiquette, donc voilà. Elle est énorme, donc je suis trop contente, j'adore la couleur. Assortie au rouge à lèvres, bien sûr. Donc voilà. Ensuite, j'ai été dans le rayon grande taille. Cette fois-ci, j'ai pas voulu. Il y avait énormément de pulls avec des grosses mailles. J'adore ça, mais je me suis retenue de pas en acheter parce qu'en fait, j'en ai trop. Et je me suis dit, non, Marie, parce que moi, j'adore acheter pendant les soldes des sweats, des t-shirts et des pulls chez H&M. Et là, je me suis dit, écoute, Marie, t'as je sais pas combien de tiroirs de pulls, de sweats, de machin. Arrête. Donc je suis montée directement à l'étage où il y a le rayon grande taille et je me suis dit vas-y va plutôt t'acheter des robes parce qu'à chaque fois que je porte des robes, des trucs, vous m'envoyez toujours des commentaires en me disant mais où tu l'as acheté? Chez H&M, rayon grande taille, pendant les soldes. Et ce sont des trucs que je trouve pas toute l'année, je comprends pas. Enfin voilà. Donc là il y avait cette robe là qui n'est pas du tout soldée, c'est la nouvelle coupe, vous pouvez trouver sur le site. Je vous remets le petit porté ici. Donc elle était vraiment pas chère parce qu'elle était à 19,99 €. Donc je me suis dit, vas-y Marie, prends-la. Et ce que j'ai adoré, c'est le détail des manches comme ça, qui sont des manches un peu ballon, un peu sweat, avec les petits boutons et puis les petits trucs comme ça, les petits détails des empiècements et tout. Et par contre, ce que j'ai fait, j'ai voulu la prendre très grande. Donc j'ai pris 52. Et ouais, j'ai pris 52 pour pouvoir la porter extrêmement loose, pour pas qu'elle soit près du corps, que je me sente bien dedans. Et surtout pour pouvoir du coup la mettre avec des collants, des baskets. Bon là j'ai mis des collants chers avec des baskets. Mais voilà, je voulais vraiment cet effet-là. Et la matière est assez épaisse. Et je kiffe, je kiffe, je kiffe. Et ensuite, dernière pièce que j'ai achetée dans le rayon grande taille. C'est ce que je porte sur moi. Mais je vous remets le try-on juste ici. Donc c'est aussi cette robe. Honnêtement, je crois que j'ai pris 3 XL. Elle coûtait... Alors... J'ai pas le ticket, mais pour moi, c'est pas passé à ce prix-là. En fait, elle coûtait à la base 20 €, la même que la verte. Et elle était étiquetée à 15,99 €. Ce qui m'étonnerait fortement, parce que le tout,
les deux écharpes, les deux robes, j'en ai eu pour 30, 31 euros, je crois, je sais plus. Donc si vous faites le calcul, forcément ça a été moins cher. Alors je l'ai pris en 3XL toujours pour avoir cet effet un peu ample. Après, ce que j'aime bien, c'est au niveau des manches, parce que ce sont des manches un peu chauve-souris, un peu ballon, qui se resserrent ici en fait sur l'avant-bras. Je trouvais ça sympa. C'est le genre de tenue où vous êtes hyper à l'aise dedans, vous êtes bien, vous pouvez faire votre petite life. Et honnêtement, elle a une matière qui est très loose, qui tombe extrêmement bien sur le corps. J'adore cette matière. Je trouve que quand vous avez un décolleté avec cette matière, c'est assez sexy le tombé. Enfin bref, là j'ai pas du tout de décolleté. Mais c'est pour vous dire. Donc voilà, je trouvais que c'était trop top. Même si c'est une 3XL, les manches tombent très très bien, comme vous pouvez le voir. Et puis elle a une petite fente là comme ça sur le côté, mais qui n'est pas du tout sexy et tout ça. Voilà, parce que ça ne montre pas le haut de votre cuisse et tout. Enfin, bon, en tout cas parce que j'ai pris une grande grande taille. Sinon, c'est pas désavantageux pour vous. Et ce que j'ai bien aimé aussi, je l'ai essayé, quand je l'ai essayé, j'avais un jean moi. Et je trouvais que ça faisait sympa aussi avec un jean. Voilà, bizarrement. Je pourrais la porter avec un jean, mais après ça fait vraiment trop long sur un jean, je sais pas trop. Moi je la vois plus portée comme je vous ai mis, avec des collants noirs, des baskets et un petit perfecto en cuir, ou une petite veste comme ça en peau comme j'ai acheté chez Toscane. Donc voilà, ça c'était pour la petite minute Christina Cordula. Voilà, voilou pour tous mes derniers achats soldes. Je vous avais mis la dernière fois dans la dernière vidéo, le facteur est passé, les petits achats soldes que j'avais fait en plus aussi. Je pense que vous les avez eus, parce que c'est sur cette vidéo justement où vous me laissez des commentaires en disant on sait que tu vas craquer et que tu vas repartir chez H&M et que tu vas faire un deuxième round des soldes. Enfin du coup c'était le troisième, parce que le deuxième c'était les deux manteaux que j'avais pris chez Kiabi et puis les petites baskets que j'avais achetées chez Vinted. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait des petites trouvailles de dernière démarque comme ça au niveau des soldes. Moi je vais m'arrêter là. J'ai aussi acheté, je vais pas vous mentir, j'ai acheté des sous-vêtements à la halle et tout, encore, que j'ai commandé. Je vous les montrerai pas en vidéo parce que voilà, hein, j'ai pas envie de faire ce genre de polémique, d'avoir des commentaires, bon, bref, c'est pas bien grave, je garde ça pour moi, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, c'est tout. Par contre, la livraison en magasin à la halle, ça a mis presque 3 semaines, c'était affolant, j'ai jamais vu ça. Enfin bref, voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait. Comment ça, c'est pas déjà fait, hein? Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.